Morin, j'ai 22 ans. C'est lui qui va faire le défi locarnivore. Pendant un mois, il ne mange que de la bouffe locale. On s'est basé sur le mode de vie locavore qui est né à San Francisco en 2005, de la bouche d'une cuisinière un peu hippie, Jessica Prentice. Les 6 règles, la première, évidemment, c'est de s'alimenter exclusivement dans un rayon de 160 km. La deuxième règle, c'est assez simple, je dois exclusivement utiliser le transport en commun et le covoiturage. La troisième règle, c'est de respecter, pour un homme adulte de mon poids, le guide alimentaire canadien. Nos chums de Santé Canada nous proposent 8 à 10 portions de fruits et légumes, 8 portions de céréales, 2 portions de produits laitiers et le plus important, 3 portions de viande. Je m'attends que ça soit la grosse partie du défi de m'assurer de respecter toujours le guide alimentaire canadien à chaque jour. Ensuite de ça, la quatrième règle, qui fait un peu aussi partie du guide alimentaire canadien puis qu'on trouvait important de mettre un peu l'emphase là-dessus, c'est l'activité physique qui est faite par jour. Donc, pendant le défi, je me devais de faire un minimum de 30 minutes d'activité physique par jour soutenue. La cinquième règle, c'est que c'est un peu une exemption, c'est de pouvoir transporter avec soi les produits alimentaires, mais tout en respectant ta règle de transport en commun et de covoiturage. Pour la sixième règle, on a décidé d'être un peu moins rough avec Gab. On lui permet de manger des produits transformés localement, comme des saucisses, du fromage, de la rillette ou du pain, mais seulement 10% de la masse de ces produits peut provenir d'en dehors de la zone locarnivore. Et c'est pas fini. Gab a les forces de la nature contre lui qui limitent encore plus son alimentation. J'ai beaucoup d'allergies alimentaires, donc tout ce qui est protéines végétales, donc les fameuses noix, arachides, mais en plus de ça, les légumineuses, le tofu et la protéine végétale. Vraiment tout ce qui vient de la plante et qui est protéine. Un jour, on va y arriver, on va mettre au cauchemar quand c'est réveillé. Yeah, 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 yeah. Alors, bienvenue à la ferme. Ici, on a acheté Vital et moi, mon conjoint et moi, en 90. Vous êtes à la ferme de Boulemontais, mais on n'est pas les seuls producteurs. Il y a 3 autres producteurs dans Charlevoix, Baie-Saint-Paul et Saint-Hilarion. Donc, on est 4 actuellement au niveau du GP, ce qui fait de nous autres la plus petite indication géographique protégée au monde. Ouais, c'est bon. C'est ça. Il faut comprendre que l'agneau a été développé par notre consommateur. Hein. C'est bien important de répondre aux demandes du consommateur. C'est arrivé un peu par hasard. C'est un chef qui de cuisine de Charlevoix, j'ai servi. Qui était à cette époque-là, qui était à l'auberge des Falaises, qui a goûté à l'agneau et qui a dit ben il faut que cet agneau-là soit commercialisé. On faisait abattre, on a commencé avec 75 brebis, fait qu'on faisait abattre pour les amis, les connaissances, la famille, mais pas plus que ça. À partir de là, on a commencé à regarder un peu pour commercialiser à plus grande échelle. C'est un agneau différent, c'est pas un agneau qui est meilleur. Ça, il faut faire attention, puis je me suis toujours fait un point d'honneur à faire la distinction. Parce que l'agneau du Québec qui est sur nos tables, il est excellent. Ils sont différents. Hein? Ça n'a pas le même goût dans le Bas-Saint-Laurent que dans l'Estrie, que au Lac-Saint-Jean, que dans Charlevoix. L'agneau de Charlevoix, c'est pas gros. Si jamais vous voyez quelque part un agneau de Charlevoix avec des côtelettes grosses de même, c'est pas de l'agneau de Charlevoix. La côtelette de l'agneau de Charlevoix, c'est tout petit. Pour voir pourquoi on a voulu travailler l'indication géographique protégée, c'est à l'origine un mode de protection. Il y avait de l'usurpation de nom au niveau de l'agneau de Charlevoix. L'agneau de Charlevoix se vendait partout, un peu partout. Ça en est même servi dans un hôtel de Paris. Alors, on s'apercevait que le nom était usurpé. Puis c'est dangereux. Hein? Il peut arriver l'agneau sur une table qui est peut-être un peu dure. Ou là, c'est la réputation des producteurs qui en souffrent. Mais c'était surtout aussi une façon de dire à nos consommateurs, ben c'est vraiment de l'agneau de Charlevoix, il est inspecté par le Bureau de normalisation du Québec, il est certifié, donc ce que vous achetez, c'est sûr que c'est de l'agneau de Charlevoix. Si j'ai un message à passer en ce qui concerne le gigot, parce que j'ai souvent des clients qui viennent me voir et me disent, ben on n'est pas habitué de faire cuire des gigots. Bon, avez-vous une bonne recette de roast beef? Mangez-vous votre roast beef rosé? Ou saignant, oui, ben c'est la même affaire. C'est sûr que c'est faux pas. C'est facile à cuisiner. C'est facile à cuisiner, c'est excellent. Hein?